Salut à tous. Alors aujourd'hui nous sommes de retour, plutôt je suis de retour aux falaises des Vaches Noires, comme vous pouvez le voir ici. Mais cette fois de côté de Houlgat, que vous voyez là-bas, la ville là-bas. Et donc je suis là pour rechercher des fossiles. Et là, hop, regardez, hop, je viens d'en trouver un. Par contre, il est dans un bloc, il faut que je le retire. Là, une ammonite. Ah ouais, mais c'est. Ouais, non, c'est qu'un morceau, malheureusement, regardez. C'est qu'un morceau, je l'ai laissé. Tant pis. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, on est là pour fouiller ce qu'on peut trouver sur la plage, au bord des éboulis et puis sur les galets. Donc voilà, allez, c'est parti. Regardez là. Hop. Une petite ammonite. Commence déjà avec les petites ammonites, c'est pas mal. Regardez là. Un petit bivalve. Je vais l'éloigner un peu parce que ça me trop près. Et je vais continuer à fouiller. Vous voyez là, il y a un gros, gros partie, une grosse partie de marne qui est éboulée. Je regarde un peu là-dedans, il y a peut-être des trucs à récupérer comme l'ammonite, des trucs comme ça. Enfin, regardez. Allez, je continue à fouiller. Regardez là, hop. Là, il y a une petite ammonite dans la marne. Je vais la sortir. Hop là. Et voilà. Petite ammonite. On en trouve quand même quelques-unes dedans. En regardant bien. On en trouve. Bon, ouais, je vais continuer. C'est un gros bloc de ce qu'on appelle le niveau alpha. Vous voyez, donc pourquoi on parle de niveau alpha? Parce que en fait c'est très très concentré en coquille de l'alpha en fait. Vous voyez les huîtres là, il y en a énormément. Et là c'est un des beaux blocs qu'on peut deux fois croiser sur la plage. Et donc, voilà quoi. Regardez un peu là. Un petit brachiopode. Bon, c'est un peu sale hein. Mais là, plutôt bien conservé, et puis il y a un tube d'annélite dessus en fait, là, juste là. Donc, voilà. Allez, on continue. Regardez là, hop. Vous voyez ce bloc? Ça, on dirait que c'est un oursin, mais c'est pas sûr, un peu abîmé. Mais bon, c'est un fossile déjà. Mais après, moi je pense à oursin, mais après il est vachement sale, faut que je nettoie quoi. Donc voilà. Ah, là, regardez, une ammonite. Je sais pas si vous pouvez bien voir. Voilà. Une petite ammonite. Et j'ai repéré un autre truc. Donc, autant que je range l'ammonite. Attendez, hop. Voilà, là. Un peu petit, je sais pas si vous verrez bien, mais là vous avez une empreinte de plutôt moule interne de gastéropode en pyrite. Regardez là, vous voyez comment elle brille bien. Bon, mettons qu'on soit un peu sale, mais hop, regardez comment elle est magnifique, un peu abîmée, mais elle brille énormément quoi. C'est comme ça que je l'ai repéré. Donc voilà. Petite ammonite en plus. Un peu par ici. Là, vous avez un morceau d'ammonite. Hop. Pareil qu'il a une bonne taille. Mais bon, comme c'est qu'un morceau, je vais pas le prendre. J'aurais bien voulu l'avoir en entier, l'ammonite. Mais là, malheureusement, voilà. C'est ce que je cherche comme ammonite. Vous voyez, des ammonites de cette taille-là, mais j'en trouve pas beaucoup. J'en trouve pas. Ah. Attendez, attendez, c'est peut-être pas fini. Regardez là, vous voyez là? Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est un truc que j'aime bien. Bon, je vais le dégager parce que là j'ai, je me salis les mains avec la caméra donc ça va pas être super pratique. Mais ça faut que je le dégage. Je vais essayer de l'enlever. Vous le voyez, il est là. Donc... J'ai pas pris vraiment de pied de biche, genre de choses pour l'enlever. Mais ah, ça doit être pas mal. Thank you.
Bah, je l'abîme en tapant dessus. Voilà. Bon allez, on va voir s'il est entier. Et ouais, il est entier. Regardez. Regardez-moi ça. Je vais essayer de dégager un peu. Regardez-moi ça. Bon, elle est vachement sale. Hein? Mais elle est entière. Il faut que je la nettoie et puis c'est bon. Pas mal, c'est voilà, c'est la plus grosse amulette de la journée pour l'instant. On va chercher d'autres, allez, hein, comme ça, allez, c'est parti. Donc là, vous voyez, je viens de trouver l'ammonite, la plus grosse. Et en fait, ici, je suis tombé sur une zone où il y a une très forte concentration d'ammonite. Donc tout à l'heure, j'en avais repéré une et bah, je l'ai paumée. Je vais essayer de la retrouver, j'en ai une autre en vue. Voilà, là, regardez. Là, hop, hop, une petite ammonite. Et l'autre, elle était où? Elle était cachée là. Vous voyez là? Donc moi, je vais essayer de la récupérer. Hop, voilà. Et une petite ammonite en plus. Allez, on continue. Hop, encore une petite ammonite en pyrite. Et voilà. Donc par ici, je vous l'ai dit, ça donne très bien. Il y a beaucoup d'ammonite et donc je vais continuer à chercher. Allez. Hop, vous avez un petit brachiopode. Plutôt bien conservé parce que généralement au falaise des vaches noires ils sont déformés et tout. Et là celui-là est plutôt bien. Donc voilà. Allez, hop. Là vous avez une ammonite de bonne taille quand même, mais malheureusement elle est incomplète. Donc bon, je vais pas la prendre. Je vais la laisser ici. Hop, je m'enfonce un peu. S'il y en a que ça intéresse, et bah elle est sur le bord de plage. Allez, je continue à fouiller. Donc là, vous avez les griffées. Ah, là, regardez une ammonite. Une toute petite ammonite. Hop, regardez là. Ah, merde, c'est sale. Ah, c'est. Ah, ouais, bon. Wow, croyez-moi, c'est une ammonite. C'est vrai qu'elle est recouverte de marne et tout, donc c'est difficile à voir, mais c'est une ammonite. Donc voilà. Encore une griffée. Bon, je continue à fouiller. Ah, là, regardez. Vous voyez là? C'est un bel ammonite. Il a plutôt une bonne taille, lui. Généralement, moi, j'en trouve des plus petits. Mais lui, il est plutôt pas mal. Regardez là, hop, je sais pas si vous voyez. Tac, une petite ammonite. Et plutôt bien conservée. Et un peu petite, mais sympa. Voilà quoi. Donc voilà le résultat un peu quand on cherche aux falaises des vaches noires du côté de Houlgat. Donc je trouve que j'ai toujours trouvé que Houlgat, du côté de Houlgat, ça donnait plus de fossiles que du côté de Villars-sur-Mer. Donc ça c'est mon avis, hein. Peut-être que d'autres y trouvent plus de fossiles du côté de Villars que du côté de Houlgat. Donc voilà un peu le résultat, donc ça reste quand même une très belle ammonite que j'ai trouvée, vous pouvez voir dans la vidéo que j'ai dégagée. Donc c'est de la pyrite, ce qui est plutôt sympa, donc je l'ai dégagée, je dois encore un peu la traiter pour faire sortir un peu la pyrite. Parce que là c'est vrai que quand j'ai utilisé la sableuse c'est un peu terni, mais bon. Donc voilà un peu le résultat. Donc là après vous avez plusieurs ammonites en pyrite, des brachiopodes, des bélimnites, qui est un des plus gros bélimnites que j'ai trouvé à ce jour dans ce gisement, les bivalves, les gastéropodes, les ognomons, la petite moule interne de gastéropodes. Donc voilà le résultat. Donc j'ai pas fouillé énormément parce qu'il pleuvait. Donc bon, j'ai fouillé, j'ai dû fouiller 2 heures à peine. Donc ça donne quand même pour 2 heures, ça donne quand même un très bon résultat, notamment avec ce fossile. Mais voilà quoi. Donc voilà à peu près le résultat de 2 heures de fouille aux falaises des vaches noires du côté Houlgat.
Bon bah sur ce, je vous dis à plus pour d'autres vidéos.